Salut tout le monde, c'est Cam Scooters. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Donc, on va mélanger notre trottinette freestyle. Du coup, on est 4 riders, du coup, on a 4 trottinettes, on va vous les présenter et voilà. Ok, donc du coup, on va mélanger les trottes et on va pas faire celui qui veut sa trotte. Genre, en fait, on va plus compliquer le truc. Genre, en fait, on va faire un mélange et on va fermer les yeux et genre, en gros, on va choisir au hasard la trottinette et après, on ira tester. Du coup, la trottinette qu'on a eue sur le skatepark qui est juste là-bas. Donc maintenant, on va démonter les trottes, vraiment faire un mélange total. Du coup, on va démonter totalement les trottes, on va se les mettre sur une table, on va monter ça. I just like the sound. Ok, donc maintenant on vient de démonter les trottes, du coup c'est assez galère. Du coup maintenant on va faire un chifouille pour savoir quelle pièce on prend et au hasard. Il était. Ok, donc le premier c'est Camille qui est juste là. Je suis troisième, Andy est deuxième et Mathis il est dernier. Ok, donc pour choisir les barres totalement au hasard, en fait il va y avoir le participant qui va fermer les yeux et il y a Andy, du coup il va présenter les 4 barres comme ça et la première qui touche, et eh ben il doit la prendre. Ok, donc là on a mélangé les barres et du coup il y a Camille qui est juste là-bas qui était retournée et du coup il va choisir une barre au hasard. Oh, la première que tu touches, tu la prends. Vas-y, prends-la. Ah, il a ma barre. Ok, donc toi. Merde, je voulais la mienne, elle était là. Ok, donc toi t'as la barre no match-up. La barre titane. Ok, donc les potes, là c'est à Andy du coup qui va choisir la barre et on va mélanger. Vas-y, mélanger. Attends, genre. Ouais, vas-y. Moi, je sais. La première que tu touches, mec, c'est droite, gauche ou milieu? Oh non, il voulait celle que j'avais. Oh, toi, du coup, t'as la barre Celica néochrome en titane. Ah, c'est la mienne. C'est celle de Mougli en plus. Donc, les gars, c'est bon, là on va chercher Camille Scooter. C'est bon? Elles sont où les barres? Milieu à droite ou gauche? Milieu et droite. Là, tout droit là. Là où là, en bas là. Mets la main où il y a les barres. Là et l'autre. Elle est mise de là. Ok, je pense qu'on est droite. Vas-y. Ok, vas-y. Ok, donc en fait ils ont fait un peu l'aiguille, genre en gros ils. Tu vois, ils me l'ont mis de travers, tu vois. Du coup moi je me tape la barre blunt sous là, du coup la plus grosse lourde. Et du coup ben Mougli comme c'est le dernier il prend la barre titane. Donc maintenant on va faire pareil pour les decks, donc vous avez compris comment ça se passe. Il y en a un qui va se retourner là-bas, nous on mélange les decks, il choisit le premier truc qui touche et ben il prend le deck. Du coup en premier ça va être Camille qui va commencer pour choisir. Ok, vas-y, je prends celui-là. Il a vu. Oh non, il a eu son deck. Non, t'as vu? Non, j'ai rien fait. T'as vu de ma mère. Oh gros, oh la chance que t'as, mec. Mais gros, t'as eu une barre titane avec ton deck, gros, tu t'aimes trop bien. Mec, j'ai peur de bien me plier comme ça là. T'es trafiquant, j'ai juré. Oh, il a eu mon deck. Ah ça les gars, c'est le meilleur deck hein. Mais moi c'est claqué, j'ai pas regardé. Ah mais bien vu, mec. Vas-y, du coup c'est à mon tour. Pite, parce que j'ai pas envie d'avoir le rabat de claquer au sol. Du coup genre en gros ce deck on va le cacher et genre dès qu'il arrive on va le pousser, vas-y. Prends-le au dernier moment, ok. Mais ils sont juste là. Ok. Oh yes. Oh Mougli, ça va avec ton deck? Qu'est-ce que j'en fous de son deck? Non mais mec, j'ai trop le seum, il est hyper long. Donc du coup on se retrouve avec Mougli qui a un setup avec la barre titane core et le deck Erwan. Andy, il a mon deck fondé avec la barre titane CDK. Moi j'ai le deck Apex avec la barre Blunt Soul. Et Camille, du coup, lui, il se retrouve avec le deck Léo Spencer et ma barre titane, la Nomad Chop. Du coup, nous, on va se monter ça et après, on ira tester les trottes. Et voilà, la première trotte montée pour Mougli. Oh, vas-y, Mougli, fais un drop test. Oh, mec, c'est une horreur. Bon, ça fera l'affaire, hein. Drop test. Drop test. Oh mec, mais c'est quoi ces drop tests, gros? T'as refait. Drop test. Vas-y, du coup je vais monter ma trotte. Ok, du coup maintenant on va faire le drop test pour voir. Non. Mec, c'est quoi? Bam. Okay, on va faire avec, les gars. Là j'ai fait toutes les applications pour la monter, je comprends pas. Faut serrer la roue avant. Non, vas-y, fais un drop test. Drop test.
Oh, attends, refais. ASMR, ASMR. Oh, oh là là. Oh les youtubeurs ASMR, s'il vous plaît, faites des bruits comme ça, s'il vous plaît. Moi aussi, que je ferai ASMR. Oh, ce bruit, mec, il est magique. Ok, les trottes sont montées maintenant. On va faire les clips, du coup, avec les trottes là-bas. Du coup, il y a Mathis et Camille, ils sont juste là-bas. Et il y a du coup Andy à la cam. On se fait des clips, on essaie la trotte et on vous partage nos impressions avec. Oh, c'est horrible. La trotte elle est pas mieux, mais genre le deck il est beaucoup trop long et du coup c'est pas stable. Gros, genre c'est pas bien équilibré. Et ensuite bah, la barre elle est aussi belle que la sœur Andy. Oula! Donc la barre j'ai bien aimé, tu vois, le deck aussi et tout. C'est ultra léger donc pour moi c'est pas très bien parce que j'ai bien les trottes lourdes. Après sinon les poignées comme vous pouvez le voir. Ah, c'est un peu la hesse les poignées. C'est la hesse lui. Ah, il est vraiment du poignet. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est du scotch ça, non? C'est du scotch ça. On a la brise. C'est mal, c'est mal. Oh, mais il a plus de poignées. Regarde. Tu lui as cassé ses poignées. Mais mec, tu mettras du scotch. Pour moi, la trotte que j'avais elle était pas mal. Juste un bémol, c'est que ça tournait pas trop. Ah, ça tournait pas trop? Ouais. Ok, donc moi en vrai je suis choqué, genre je pensais j'allais m'habituer mais genre pas du tout avec cette trotte, genre en mode elle est trop lourde et tout. Mais franchement j'ai réussi à faire pas mal de tricks et du coup je suis content. J'aime les 40. Du coup on va se tester un autre module, je pense qu'on va partir sur la courbe avec les autres. Replay sur le moment s'il vous plaît. Ah. Yo. What? Dans mon temps, on avait des meilleurs petits flûtes. Oh. Ok les potes, du coup nous on a fini de tester les trottes. Donc avant de quitter la vidéo, abonnez-vous à nos Instagram. Ils sont marqués tout cela là, donc bombardez. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. On vise les 10 000 avant 2021. Mets un like, dis-moi une idée de prochaine vidéo que tu voudrais que je fasse. Donc nous on se dit dimanche 10h30 pour une prochaine vidéo. C'était Game Shooters, ciao.